Alléluia. Yamba loyembo ya motema. Zwa loyembo ya motema. Ibonza na pesi na yo polo. Misama yawe. Zwa loyembo ya motema. Ibonza na pesi na yo polo. Sama Yahweh, kembweza iya yo, ibonza na pesi na yokolo. Umi sama Yahweh, kembweza iya yokolo, ibonza na pesi na yokolo. Umi sama Yahweh. Nani oya kufelanga ati kanke mbona likolo Izali o Yesu Alléluia, yamba loyembo ya motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, coincé dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui je parlerai sur les deux symboles de la nouvelle alliance. Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer cette prédication. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ce message apporte un plus dans la vie de tous ces assels qui les suivront. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé « Les deux symboles de la nouvelle alliance ». Vous savez, dans la nouvelle alliance, nous avons aussi des symboles. Les gens pensent que les symboles étaient toujours dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, nous avons aussi des symboles. Et ces symboles sont deux. Alors, c'est quoi d'abord un symbole? Un symbole est une représentation. Ce n'est pas la réalité. Un symbole n'est pas la réalité. Un symbole est une représentation. La réalité d'un symbole se trouve dans sa définition. Je reprends. Les symboles représentent une réalité, mais ce n'est pas la réalité. La réalité d'un symbole, c'est sa définition. Vous savez, dans l'ancienne alliance, il y avait plusieurs symboles. Les pains sans levain, l'agneau pascal, les boucs azazel,
l'huile, l'encens, les rideaux qui séparaient les lieux saints et les lieux très saints. Il y avait plusieurs symboles. Dans l'ancienne alliance, les sabbats. Un symbole est une représentation d'une image. Et cette image-là, ça peut être un homme, un objet ou un animal. Vous savez, dans l'ancienne alliance, les souverains sacrificateurs étaient l'image de Christ. Les souverains sacrificateurs n'étaient pas le Christ, mais ils étaient l'image du véritable Christ qui devrait entrer une seule fois dans les lieux très saints pour nous. Mais par contre, dans l'ancienne alliance, chaque année, les souverains sacrificateurs entraient dans les lieux saints. Il entrait chaque fois dans les lieux très saints pour obtenir les pardons de Dieu. Et cela s'est passé dans les jours de Yom Kippour, les jours du grand pardon ou bien les jours d'expiation. Les saints symboles étaient représentés aussi par des objets. Vous remarquerez dans les temples, nous avons les chandeliers. C'était des objets. Il y avait les pains des propositions. Et il y avait les sacrifices des animaux. Toutes ces choses étaient des représentations, c'était des images. Toutes ces choses étaient des symboles. Mais ce n'était pas la réalité. Colossiens, lisons Colossiens, chapitre 2, verset 17. Colossiens 2, 17. Colossiens 2, 17. Ou les sabbats qui sont innombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Ou bien on peut commencer au verset 16. Que personne donc ne vous juge en ce qui concerne les manger ou les boire, ou au propos d'un jour, des fêtes, ou des nouvelles lignes, ou des sabbats, qui sont innombre des choses à venir. Innombre. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Vous savez, tu ne peux pas comparer l'ombre et le corps. L'ombre est la photocopie du corps. Donc tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament était l'ombre. Des choses qui devraient venir. La Bible nous dit la réalité, c'est en Christ, lisons encore. Que donc, que personne donc ne vous juge en ce qui concerne les manger ou les boire, ou à propos d'un jour de fête, ou de nouvelles lignes, ou de sabbats, qui sont innombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Ces choses étaient l'ombre des choses à venir. Les sabbats, la nouvelle ligne, toutes ces choses étaient l'ombre des choses à venir. Donc c'était des symboles. Lisons Hébreux chapitre 9. 9. Hébreux 9, 9.
lesquelles est une figure pour les temps présents dans lesquels sont offerts les dons, des dons et des sacrifices qui ne peuvent pas rendre parfaits. Quand à la conscience, celui qui rend les cultes. Seulement en viande, en breuvage, en diverses ablutions, je relis. Lesquelles est une figure pour les temps présents? Je peux commencer au verset 8. Les chemins de l'Illettré, les chemins de l'Illettré n'ont pas encore été manifesté, tandis que le premier tabernacle a encore sa place, lequel est une figure pour le temps présent. Le premier tabernacle était une figure du temps présent. Donc le premier tabernacle était symbolique. Le deuxième tabernacle, ou je dirais, les vrais tabernacles de Dieu, c'est nous. Je relis. Le chemin de l'Être Saint n'a pas encore été manifesté. Tandis que le premier tabernacle a encore sa place. Lequel est une figure pour le temps présent? Donc vous remarquerez un symbole n'est pas la réalité. Un symbole est une représentation. Dans la Nouvelle Alliance, nous avons deux symboles. Aujourd'hui, je parlerai sur les premiers symboles. Et ensuite, ou je dirai prochainement, je parlerai sur les deuxièmes symboles de la Nouvelle Alliance. Commençons par les premiers symboles de la Nouvelle Alliance. Les premiers symboles de la Nouvelle Alliance s'appellent les baptêmes. Le baptême est un symbole. Le baptême est une représentation. Matthieu 28, 19. Allez, faites toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, un disciple doit être baptisé. Pour reconnaître quelqu'un, il est disciple. Il doit être baptisé. Le baptême était le symbole d'un disciple de Christ. Tu ne peux pas être disciple de Christ si tu n'es pas baptisé. Le baptême était un symbole. D'un chrétien. Allez faire toutes les nations et les disciples. Et ces disciples-là doivent être baptisés. Pour reconnaître un disciple symboliquement, il doit être baptisé. Un disciple qui n'est pas baptisé, il n'est pas disciple. Pourquoi? Parce que c'est le baptême qui prouve que la personne est devenue disciple de Christ. Lisons Marc, chapitre 16, verset 16. Marc 16, 16. Marc 16, 16.
Et celui qui aura pas crié sera condamné. Non, commençons au verset 15. Allez dans tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. Celui qui aura crié et qui aura été baptisé sera sauvé. Et celui qui n'aura pas crié sera condamné. Je relis. Allez dans tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. 16. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. Et celui qui n'aura pas cru sera condamné. Ça signifie tout simplement, lorsque quelqu'un croit à l'évangile, symboliquement, il doit être baptisé. Celui qui croit, qui refuse le baptême, il n'a pas cru. Le baptême est un symbole qui prouve que la personne a cru à l'évangile. Le baptême est un symbole qui prouve que la personne a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Lorsque quelqu'un refuse le baptême, ça signifie tout simplement celle-ci, c'est-à-dire là, cette personne a refusé de croire au Seigneur Jésus-Christ. Le baptême est une recommandation de Jésus. Praise God, alléluia. Celui qui croit sera baptisé. D'une autre façon, celui qui croit symboliquement sera baptisé. Quiconque qui refuse le baptême veut dire qu'il ne croit pas. Toute personne qui refuse le baptême n'est pas sauvée. Pourquoi? Parce que le baptême prouve que la personne a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous savez, les hérétiques disent souvent, oh non, ce n'est pas important d'être baptisé. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est tout. Le baptême d'eau n'est pas important. Ça, c'est le message des hérétiques. Ça, c'est le message diabolique. Notre salut est lié avec le baptême. Le baptême est un signe extérieur qui prouve que nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le baptême ne sauve pas, mais le baptême prouve, le baptême confirme notre salut. Le baptême est un symbole de celui qui a cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et vous remarquerez dans la Bible, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils étaient baptisés. Pourquoi ils étaient baptisés? Parce que le baptême symbolisait le salut. Le baptême était un signe extérieur du salut. Oh non, moi j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est tout. Je suis baptisé du Saint-Esprit, je n'ai pas besoin de baptême d'eau. Hey! Votre salut est confirmé par le baptême d'eau. Pourquoi? Parce que c'est la recommandation
du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Ça se fait tout simplement. Celui qui croit, symboliquement, il doit être baptisé. Lorsque quelqu'un croit et reçoit le baptême, il est sauvé. C'est-à-dire, le baptême confirme que tu es sauvé. Mais le baptême ne sauve pas. Le baptême prouve, ou je dirais, le baptême est une signature qui prouve que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le baptême est un symbole visible de la réalité spirituelle invisible de la nouvelle naissance. Je reprends, le baptême est un symbole visible de la réalité spirituelle invisible de la nouvelle naissance. Le baptême prouve que tu es né de nouveau. Où je dirais, le baptême prouve que tu as été né de nouveau. Parce qu'on est né de nouveau lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et le baptême vient après. Le baptême confirme tout simplement, je suis né de nouveau. Pourquoi? Parce que le baptême est un symbole extérieur. Le baptême est un acte d'engagement envers son Dieu. C'est-à-dire lorsque quelqu'un accepte d'être baptisé, ça signifie tout simplement que cette personne prend l'engagement envers son Dieu. 1 Pierre, chapitre 3, verset 21, 1 Pierre. Cette eau était une figure de baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Commençons verset 20. 1 Pierre, chapitre 3, verset 20 à 21. Qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Ici, l'apôtre Pierre compare le déluge de Noé comme un baptême. Ce qui était dans l'arche, l'apôtre Pierre compare ces 8 personnes qui étaient dans l'arche. Ils étaient baptisés dans l'eau. L'apôtre Pierre dit, l'eau-là du déluge était une figure de baptême. Ce qui était dans l'arche lorsque les déluges étaient tombés sur la terre, ce qui était dans l'arche ils étaient baptisés. L'apôtre Pierre compare les déluges comme un baptême. Et qu'est-ce qu'il dit? L'eau des déluges là était une figure de baptême. Qui
ne sauve pas, qui n'enlève pas les péchés. Mais un engagement d'une bonne conscience. Le baptême est un engagement. Lorsque quelqu'un accepte d'être baptisé, ça signifie que cette personne prend l'engagement de suivre Jésus-Christ tout au long de sa vie. Vous savez, le mot engagement en grec, c'est épérotéma. Épérotéma, qui vient du verbe épérotao. Épérotéma, ça signifie engagement. Engagement. Épérotéma signifie promesse. Et vous remarquerez par exemple Darby dit, lisons la version Darby. Darby ne dit pas un engagement, Darby dit la demande, lisons Darby. Or ce type vous sauve aussi maintenant, c'est-à-dire le baptême, non du dépouillement de la saleté de la chair, mais la demande à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ. Darby l'est traduit par demande. Mais ici, lui, second, l'a bien traduit aussi. L'engagement envers son Dieu. Épérotéma. Ça signifie le baptême. Est un acte d'engagement avec son Dieu. Le baptême, c'est un acte de faire la promesse de suivre Jésus-Christ tout au long de ta vie. Le baptême est symbolique. Vous savez, le baptême des gens symbolisait quoi? Les baptêmes des gens symbolisaient la repentance. Les baptêmes des gens étaient symboliques. Les baptêmes des gens, ça symbolisait croire à celui qui viendra. C'est ça la repentance. Les baptêmes des gens symbolisaient l'humanité pécheresse. Ça signifie que tout pécheur doit se repentir. C'était ça le baptême des gens, le baptême de la repentance. Croire à celui qui devra venir. Croire à celui qui viendra pour ôter nos péchés. Pourquoi? Parce que notre humanité est pécheresse.
C'est ça le baptême des gens. Ça signifie tous ceux qui acceptaient le baptême des gens, acceptaient qu'il est péché. Et il croit à celui que Dieu enverra pour ôter leurs péchés. Et ceux qui refusaient de croire, ou ceux qui refusaient le baptême des gens, ça signifie ils refusaient de croire, ils sont des pécheurs. Pourquoi? Parce que avant de se repentir, tu dois d'abord prendre conscience que tu es pécheur. Quelqu'un qui ne prend pas conscience de son état pécheresse, il ne peut pas se repentir. Il faut d'abord être conscient de son état pécheresse et puis prendre la décision d'abandonner les péchés. Donc le baptême des gens, ça symbolisait l'humanité pécheresse de l'homme. C'est pour cela que Jésus était baptisé. Vous savez, lorsque Jésus était baptisé, ça signifie qu'il s'est identifié à la nature pécheresse de l'homme. Lui, il n'était pas pécheur. Jésus était baptisé. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de prendre la nature pécheresse de l'homme. C'est pour cela. Il était baptisé par Jean. Même Jean, même lui-même Jean voulait être baptisé. Jésus a eu le baptême des gens, ce n'est pas parce qu'il était pécheur. Non, Jésus a eu le baptême des gens parce qu'il était devenu pécheur à notre place. Il s'est identifié à l'homme pécheur. Était le baptême de la repentance, c'est-à-dire croire à celui qui devra venir, c'est-à-dire Christ. C'est pour cela que tous ceux qui recevaient ces baptêmes confessaient leurs péchés. Mais écoutez maintenant, les baptêmes de Jésus, ce n'est pas le baptême de la repentance. Le baptême de Jésus, c'est le baptême d'identification à la personne. Ou je dirais, le baptême de Jésus, c'est l'identification à sa personne. Le baptême de Jean était le baptême de la repentance. Mais le baptême de Jésus, c'est le baptême d'identification à sa personne. Romains chapitre 6, versets 4 à 5. Romains 6. Nous avons été baptisés pour sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême. Pour la mort, afin que comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, ainsi nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Donc le baptême nous identifie avec Christ. Le baptême de Jésus nous identifie avec Christ. C'est-à-dire, lorsqu'il était mort, nous sommes morts avec lui. Lorsqu'il a été enseveli, nous étions ensevelis avec lui. Lorsqu'il était ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. C'est ça la signification du baptême de Jésus. C'est très important.
Les jours où nous avons été baptisés, nous sommes identifiés, ou je dirais, nous étions identifiés avec Jésus. C'est-à-dire, nous acceptons quand il était mort, nous sommes morts avec lui. Quand il était enseveli, nous étions ensevelis avec lui. Quand il était ressuscité, nous étions ressuscités avec lui. Donc, le baptême de Jésus nous identifie avec sa personne. Le baptême est symbolique. Quiconque refuse le baptême d'eau n'est pas sauvé. Parce que le baptême d'eau symbolise. J'ai cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'eau du baptême n'enlève pas les péchés. Mais est un acte de soumission. L'eau du baptême est un acte de soumission. C'est-à-dire, on soumet à l'ordre du Seigneur. Celui qui croira sera baptisé. Lorsque nous acceptons le baptême, ça signifie, nous. C'est un acte de soumission envers notre Seigneur. Celui qui refuse le baptême ne soumet pas à l'ordre du Seigneur. Donc le baptême est un acte de soumission. Le baptême est un acte d'engagement envers son Dieu. Le baptême, ça signifie nous, nous sommes identifiés avec Christ par sa mort, par son ensevelissement et par sa résurrection. C'est-à-dire, lorsqu'il était mort, nous sommes morts avec lui. Lorsqu'il a été enseveli, nous sommes ensevelis avec lui. Lorsqu'il était ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Le baptême nous identifie à la personne de Christ. Ça signifie, lorsque nous acceptons le baptême, ça signifie nous sommes identifiés à Christ. Ça signifie que nous croyons que Christ était mort pour nous. Nous croyons que Christ était mort à notre place. Il a été enseveli à notre place. Il a été ressuscité à notre place. Le baptême est symbolique. Et personne peut échapper à cela. Quiconque refuse le baptême n'est pas encore sauvé. Parce que lorsque quelqu'un accepte d'être baptisé, ça signifie qu'il croit que Christ était mort à sa place. Christ était enseveli à sa place. Christ était ressuscité à sa place. C'est-à-dire le baptême de Jésus-Christ nous identifie à sa personne. Le baptême n'efface pas les péchés. Le baptême est symbolique. Par contre, c'est le sang de Jésus qui efface les péchés. Je pense que nous avions lu l'épître de Pierre. L'apôtre Pierre dit, le baptême là ne fait pas la purification. Justement, c'est un symbole d'engagement. Le baptême n'enlève pas les péchés, mais le baptême est un acte d'engagement. Le baptême est un acte de soumission. Le baptême nous identifie à la personne de Christ. Par contre, c'est le sang de Jésus qui efface nos péchés. Par son sang, nous avions obtenu la rémission du péché. Le baptême est un symbole. Ça peut se faire dans une piscine. Les baptêmes, ça peut se faire dans une rivière. Les baptêmes, ça peut se faire dans un fleuve. Ou bien dans un océan.
Mais ce baptême-là doit être par immersion. Ce n'est pas par aspersion. Parce que le mot baptême vient du grec qui signifie baptizo. Baptizo. Baptiser, ou je dirais dans ce verbe baptiser, baptizo, baptiser, et baptismos, baptismos, baptise, baptismos. Qui signifie baptême. Baptizo, qui signifie baptiser, baptismos, qui signifie baptême. Baptizo signifie immerger, plonger, nager. Le baptême n'enlève pas les péchés. Oh non, il faut que l'eau coule. On baptise les gens là où l'eau coule. Le baptême n'enlève pas les péchés. L'eau peut couler ou pas. Le baptême n'enlève pas les péchés. Le baptême est symbolique. Même dans une piscine. Si vous lisez les livres de, je dirais, l'Épître aux Galates, ou je dirais non, aux Actes des Apôtres. Lisez les livres des Actes des Apôtres. L'apôtre Pierre arrive chez Corneille. Et la Bible dit lorsque toutes les personnes qui étaient chez Corneille ont cru à l'évangile, ils étaient baptisés. Ils étaient baptisés chez eux. Alors qu'est-ce qu'on va dire là-bas? Est-ce que la maison de Corneille était tout près de la rivière? Est-ce que l'apôtre Pierre leur avait dit « Allons dans la rivière pour recevoir le baptême ?» Ils étaient baptisés chez Corneille. Sous-entendu, on peut dire, comme Corneille était un homme qui avait de la possibilité. Peut-être il y avait une piscine. Peut-être il avait une piscine. Parce que la Bible nous dit, lorsqu'ils ont cru au message de l'apôtre Pierre, ils étaient baptisés. Peut-être Corneille avait une piscine. J'ai dit peut-être. Le baptême est symbolique. Tu peux être baptisé dans une piscine. Dans un fleuve, dans un lac. Ce n'est pas seulement l'eau doit couler, non. Couler ou pas, le baptême n'enlève pas les péchés. Le baptême est symbolique. Le baptême est un acte de soumission. Le baptême est un acte d'engagement. Les baptêmes nous identifient à la personne de Christ. Lorsqu'il était mort, nous sommes morts avec lui. Lorsqu'il était enseveli, nous étions ensevelis avec lui. Lorsqu'il était ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. C'est ça la signification du baptême.
le baptême est symbolique. Tu peux être baptisé dans une piscine, ou bien dans un lac, ou bien dans un fleuve. Tout ça est symbolique. Si vous lisez dans l'épître des actes des apôtres, vous remarquerez les Nicéthiopiens étaient baptisés dans le désert. Est-ce que dans le désert, l'eau coule? Dans le désert, nous avons les oasis. Ce sont des étangs d'eau. Le baptême se fait par immersion et non par aspersion. Ça, c'est le baptême de Jésus. Mais écoutez, le baptême se fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pierre, l'apôtre Pierre, n'a jamais contredit son maître Jésus. Lisons Actes des Apôtres, Actes chapitre 2, verset 38. Actes 2, 38. Actes 2, 38. Actes 2, 38. Que ferons-nous, frères? Et Pierre leur dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Regardons ces mots en grec. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est très important. Ça, c'est la première prédication de Pierre. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Le mot grec que l'apôtre Pierre a utilisé ici, c'est onomati. Onomati. Oh, je vais écrire ça en grand caractère. Onomati. Onomati. Onomate signifie selon, selon, selon les noms. Que chacun de vous soit baptisé selon les noms. Jésus. D'une autre façon, que chacun de vous soit baptisé selon les noms qu'a dit Jésus. Je reprends. Que chacun de vous soit baptisé selon les noms qu'a dit Jésus-Christ. C'est ça la meilleure traduction. Donc, le baptême au nom de Jésus, ça signifie le baptême selon ce qu'a dit Jésus. Or, Jésus a dit quoi? Baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre n'a jamais contredit Jésus. Il n'a pas contredit Jésus. Le baptême se fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais comment l'argile peut corriger les potiers? Ésaïe chapitre 45, verset 9. Est-ce que l'argile peut corriger les potiers? Est-ce que l'argile peut dire à son fabricant, pourquoi tu m'as fait comme ça? L'apôtre Pierre ne peut jamais contredire son maître Jésus.
baptiser au nom de Jésus. Ça signifie baptiser selon qu'a dit Jésus. Or, Jésus a dit quoi? Baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême se fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême ne se fait pas au nom de Jésus. C'est une erreur de tous ceux qui baptisent les gens au nom de Jésus. Le baptême se fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est la parole de Jésus. En effet, toutes les nations, les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pierre dit baptiser selon le nom de Jésus. Baptiser selon le nom qu'a dit Jésus. Jésus a dit quoi? Quels sont les noms que Jésus a dit qu'on puisse baptiser à tous ceux qui l'accepteront comme Seigneur et Sauveur? C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême se fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'argile ne peut pas corriger les potiers, son fabricant. Est-ce qu'une voiture peut donner de l'ordre à celui qui l'a fabriqué? Est-ce qu'une voiture peut corriger? L'homme qui l'a fabriqué. Ésaïe 45, verset 9. Ésaïe 45, verset 9. Malheur à celui qui conteste avec celui qui l'a formé. Qu'un tesson conteste avec des tessons de la terre. L'argile dira-t-elle à celui qui l'a formé, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a pas de main. Malheur à celui qui dit à son père, qu'as-tu engendré? Et sa mère, qu'as-tu enfanté? Là, je suis arrivé jusqu'au verset 10, mais prenons seulement le verset 9. Le verset 9. Qu'un tesson conteste avec des tessons de la terre, l'argile dira-t-elle à celui qui l'a formé, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a pas de main. Verset 10. Malheur à celui qui dit à son père, qu'as-tu engendré? Et à ta mère, qu'as-tu enfanté? Est-ce que l'argile peut corriger? L'argile peut donner de l'ordre? À celui qui les façonne? Non. Pierre n'a jamais contredit Jésus-Christ. L'apôtre Pierre n'a jamais contredit Jésus-Christ. Je reprends, l'apôtre Pierre n'a jamais contredit Jésus-Christ. C'est la mauvaise interprétation des gens qui font croire aux gens que le baptême se fait au nom de Jésus. On chasse les démons au nom de Jésus. Oui, amen. On guérit les malades au nom de Jésus. Oui, amen. Il y a des salis au nom de Jésus. Oui, amen. Mais le baptême se fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
il n'y a pas la contradiction entre l'apôtre Pierre et Jésus-Christ. Il n'y a pas la contradiction. Bien, je suis à la fin de ma prédication. Prochainement, je parlerai sur le deuxième symbole de la nouvelle alliance. Le premier symbole, j'ai parlé sur le baptême. Le baptême est un symbole. Le baptême ne sauve pas. Le baptême est un acte de soumission. Le baptême est un acte d'engagement. Le baptême nous identifie à la personne de Jésus. Surtout les baptêmes n'enlèvent pas les péchés. C'est le sang de Jésus qui enlève les péchés. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Que Dieu vous bénisse. Ciao.